La petite française Karine Rubin tente de se poser un nouveau exploit. Elle est la dernière à passer. Oh là là, elle conserve son avance sur le dernier chrono intermédiaire. C'est génial ce qui est en train de se passer. Allez, on pousse. Il ne reste plus que quelques portes avant la délivrance. Ça y est, je crois que c'est fait. Oui, Karine Rubin, sacrée première championne olympique de snowboard. Une belle médaille d'or pour la France. Incroyable. Depuis l'apparition du snowboard aux Jeux Olympiques de Nagano en 98, les résultats des Français montrent que le snowboard a largement sa place parmi les disciplines olympiques, venant renflouer le nombre de médailles dans le camp français. La première championne olympique de l'histoire est française. Karine Rubin, numéro 1 box-office, décroche la médaille d'or dans l'épreuve de géant de manche. Salt Lake City 2002, JO, le retour. Trois drôles de dames font battre le cœur des Français. Trois médailles pour le snowboard sur les 11. Dorian Vidal décroche la première médaille pour l'escarcelle française, une belle médaille d'argent dans l'épreuve de halfpipe. Isabelle Blanc et Karine Rubin s'affrontaient dans une finale franco-française. Isabelle devient championne olympique de géant parallèle. Karine est couronnée d'argent. Nicolas Huet échoue au pied du podium chez les hommes. L'heure de sa revanche ne devrait pas tarder à sonner. Sur un 2006, le snowboard cross fait son entrée. Une nouvelle discipline spectaculaire avec les meilleurs riders français prêts à en découdre avec l'élite internationale. Les gladiateurs du cirque blanc sont lâchés. Xavier Delerue et Karine Rubin sont depuis quelques temps les leaders incontestés de cette discipline, sans parler des autres et de la jeune garde, véritable figure d'espoir. How long does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say. I'm going to need him till the stars all burn away. And he'll be there. He fills my heart. Alpin, la distribution ne manque pas de panache. Mathieu Bozzetto, Nicolas Huet, Charlie Cosnier, Isabelle Blanc, Julie Pomagalski seront sans doute présents dans l'épreuve de géant parallèle. Affaire à suivre. Freestyle se renforce autour de Dorian Vidal. Ce qui a créé la surprise. L'envie, un seul but, crever l'écran. Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say. I'm going to meet him until the stars open away. And he'll be
des derniers championnats du monde à Whistler au Canada, la délégation française aura une fois de plus prouvé qu'elle était présente malgré les blessés et les absents dans chacune des disciplines avec 4 médailles au total. Loin des 9 médailles sur les éditions précédentes à Kreisberg et Maldonado Campiglio, on peut tout de même dire que l'équipe de France reste une nation présente sur les podiums aussi bien en Coupe du Monde, Championnat du Monde ou Jeux Olympiques. L'équipe de France de snowboard est actrice des Jeux. Les chances de médailles sont plus que probables dans chacune des disciplines. On compte sur vous et votre soutien. Allez les Bleus, allez l'équipe de France, faites-nous rêver. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, faites vos Jeux.